Previously, in the visible future. Bienvenue chez les Et à quelle époque on est ici là? 2050. Et puis Joseph, t'es con. T'as merdé, mec. T'as grave merdé. Ouais, bon, pardon, Raph, mais sur ce coup-là, tu t'es foutu dans la 4K tout seul. Franchement, c'est chiant. C'est chiant. Tizizi. Voilà ce qui va se passer. T'es vite relou, t'es vite relou. Bonjour, Mathéo. Bonjour, Judith. Bonjour, Mathéo. Bonjour, Constance. Hello ! Putain, c'est quoi ce PC de merde ? Oui, allô, oui ? Tout le monde est au courant de ça, vous savez. Et le texte, c'est bon, ça fait trois fois qu'on le voit, on le sait maintenant. Salut. Non. Ce n'est pas l'heure d'accueil. Je savais, je pouvais pas attendre. Je voulais vraiment te féliciter. 50 annulations en un an. Mais c'est énorme! Merci, tu peux y aller, on rediscutera de ça plus tard. Vos 50 annulations, elles sont bidons. Et ça rime. J'ai fait la plupart de ces missions. Je sais très bien qu'on n'a pas fait ça pour rien. C'est parce que Joseph provoque les catastrophes qu'il te fait annuler. C'est pour ça que ça change rien. Quoi? Ah, elle était pas au courant. C'est gênant. Joseph, je suis votre bras droit. Sauf que Joseph est gauche. Désolé, tu ne vois qu'une personne qui pourrait être à ce point une grosse... Et voici cette pute de Sarah Lombardi. Sarah Lombardi, c'est elle qui provoque les 4x4 et fini. J'ai racheté sa société et j'ai récupéré la technologie sur laquelle travaillaient ses frères. Le détecteur de paix. Tu pourrais tout refaire ailleurs. Pourquoi la fin du monde, Joseph? Parce que c'est juste la fin du monde. Y'a du monde, y'a du monde. Il suffit de rassembler les cons et les reconnaître sous un ordre nouveau. Un empire. Oui, c'est ça, un empire. Avec toi à sa tête. Tant qu'à faire, oui. Enculé. Je connais quelqu'un qui va être ravi de s'occuper de son cas. Vous dites en bas, on va où? Direction